On a pris d'autres chemins, on a pris d'autres chemins. Pour rêver au lendemain, on a pris d'autres chemins, on a pris d'autres chemins. C'est quoi qui fait pencher la balance? Pourquoi tu prends telle ou telle direction, celle de tes doutes ou celle de tes croyances? Est-ce ton idée ou celle du paternel quand tu te décides à prendre cette voie? Celle de tes rêves ou des remords éternels, alors cette voie c'est ton droit, c'est ton choix. Tu as décidé d'être un artiste, un choix subversif ou un choix tendance? Un mélange de confort et de prise de risque, une décision d'adulte, un rêve d'enfance. Un métier loin des modèles familiaux, est-ce une envie ou une envie de rébellion? Un métier loin des réveils matinaux, est-ce une fuite ou un vrai choix par passion? Tu as choisi la voie des marginaux, quitte à ce que l'entourage soit dérouté. La voie des atypiques, des originaux, tu marches en dehors des passages cloutés. Et si cette voie n'est pas des plus classiques, elle passe dans l'orage et sous les averses. Tu n'as pas écouté les mauvaises critiques, tu as choisi de prendre un chemin de traverse. Pour rêver au lendemain, on a pris d'autres chemins. On a pris d'autres chemins. Pour rêver au lendemain, on a pris d'autres chemins. On a pris d'autres chemins. T'as choisi un métier qu'on n'apprend pas au collège. T'as ouvert la porte aux envies qui se taisent. Persuadé que ton audace te protège, t'as décidé d'écrire ta propre hypothèse. Alors tu as pris un chemin de traverse, la voie des durs, la voie des courageux, la voie du pari, pas celle de la sagesse, mais peut-être aussi la voie des peureux. Peur de la routine d'une route sans relief, peur de trop d'années coincées dans les livres, peur des horaires fixes d'un bureau ou d'un chef, peur d'avoir peur d'exister sans vivre. Un chemin de traverse est un raccourci, une voie parallèle, une route sans panneau. Un raccourci vers quoi? Vers tes envies, vers l'argent ou peut-être vers le chaos. Et si être artiste est un art de vivre, si tu ne réussis pas, c'est pas grave. C'est la beauté du geste qui nourrit et enivre, que tu chantes au zénith ou dans ta cave. Mais si ton art séduit et que les gens t'aiment, attention à l'ego qui te renverse. Si tu te sens enrôlé par le système, n'oublie pas que c'était juste un chemin de traverse.